Présentation de l'application ATP Tournoi pour Android. Alors, depuis l'écran d'accueil, on sélectionne sa classe dans Commencer le tournoi. L'écran suivant affiche les différents joueurs enregistrés dans l'application, leur nombre de points et le classement actuel. Pour saisir les résultats d'un match, on clique sur le bouton en bas de l'écran. On choisit dans un premier temps le vainqueur, dans un second temps le vaincu. L'écran de score nous demande de sélectionner le score de chaque joueur. Par défaut, le vainqueur se voit attribuer le nombre de points requis pour gagner un match. Donc il n'est généralement pas utile de le modifier. Seuls les points du perdant doivent être modifiés en utilisant la roue à l'écran. Une fois le choix effectué, on clique sur Valider. L'écran suivant nous rappelle les résultats du match. S'il n'y a pas d'erreur, on valide définitivement en cliquant sur le bouton Valider. Le nombre de points est recalculé automatiquement et le classement mis à jour. On peut ensuite passer à la saisie du match suivant.